qu'un passage au vent, en fait, ici, on met en route une ventilation qui souffle à 120 km/h face à la voiture. C'est pour alimenter le moteur en air et reproduire des conditions réelles de route. On se met en 5e vitesse, très bas dans les tours, donc on est entre 50 et 60 km/h. Et on va faire une accélération pied au plancher. D'accélération, le banc va calculer la puissance et le couple maximum. Lorsqu'on arrive au rupteur, on débraye et on passe la voiture en neutre. Et alors à ce moment-là, on laisse la voiture ralentir. Pendant la phase de décélération, le banc va freiner les roues pour mesurer l'effet de transmission. Et donc à la fin du run, ben, on obtient une courbe de puissance et de couple corrigée. Après la préparation, pointillé noir, le couple, elle avait 309 newtons et 202 chevaux. Donc ça c'est la courbe ici en noir. Après la prépa, nous...